Non, madame, ça va que vous. Oustra.
Numéro N, dans le numéro 8, nous tous avons une tentation là. Plusieurs affaires sont arrivées. Et là, Dimoun peut voter dans la place de Dimoun. Apparemment, on n'est pas obligé dans ID aujourd'hui. C'est un gros problème qui peut lever. On ne peut pas connaître qui fait sans ça. Deuxièmement, nous pouvons apprendre que malgré nous utilisons ça avec l'électoral supervisé commissionnaire et l'électoral commissionnaire, que Michel Liching dit qu'il peut donner Dimoun 1000 roupies si je te montrer qu'ils ont voté. Pas mobile. Tu dis pour ban. Mais ils n'ont pas de ban. Puis tirer une photo et rentrer. Donc c'est une pratique fraudulente. Et il y a des droits d'affaires qu'on peut trouver, le 200 mètres par exemple. Il y a un peut faire canvassing. Nous avons un cas que ban officier, fonctionnaire, peut donner papier, ban votant à l'intérieur des classes. Donc tout cela peut montrer qu'il y a un SM. Pas les autres qui peuvent faire ça, juste MSM qui peut faire ça là. Donc, lui montrer déjà une indication qui est MSM, puis c'est qu'on a cette élection là. Donc, nous sommes bien vigilants. Nous avons un message et l'Electoral Supervisory Commission qui nous parle tout déroulement là, normal comme il s'est besoin d'être. C'est tout mon avis. Est-ce qu'il y a une réponse? Non, on avait un message. Donc, on va voter ici, comment on trouve l'aménagement? Enfin, je vais faire ça, je suis capable de me supposer. Ouais.
Donc voilà, c'était Aurélie Auguste en direct du gymnase Pandit Sardeo. Donc comment on finit capable de trouver Navin Ramgoulam et accompagné de son épouse Vina Ramgoulam, fin voter ici au gymnase. Vous avez de la mousse, vous avez de la mousse. Je ne sais pas.